the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec vous. Nous sommes toujours en train de cheminer ensemble avec vous. Vous allez comprendre ces sons, bien sûr, les aléas du direct. Nous sommes vraiment dans ce décor bien planté pour vous, très chers auditeurs et téléspectateurs, pour vous présenter votre émission Fond Musical. Alors, Fond Musical qui vous retrace, bien sûr, la profondeur de certains chants que vous aimez, que vous chantez, que peut-être vous ne parvenez pas à entrer, à fouiner, à entrer dans la profondeur des chants pour en savoir plus. Voilà pourquoi cette émission vous fait, c'est un signe honneur de vous rapporter ceux qui écrivent les chants, ceux qui écrivent des cantiques, ceux qui chantent pour la gloire du Seigneur, afin de vous expliquer les contenus de leurs chants. Voilà. En ce jour, nous sommes honorés par la présence d'un frère bien. Vous le regardez déjà à la télé, il embellit bien sûr vos écrans. Mais nous vous retrouvons dans un instant. Parce qu'il s'agit de lui, c'est le frère Manix Nangea qui est là. Je prononcerai peut-être ce nom en français pour dire Manix Nanja. J'espère que c'est Nangea. Nangea. Ah, comment vous connaissez-vous? Un nom français, quoi. Ah bon, et ça, comment Mboka? Comment Mboka? Voyez, chez nous, c'est comme ça. Il y a Je sais pas, bah, comment va voilà. Luba, c'est pas un problème, c'est un nom auquel, très chers téléspectateurs et auditeurs, vous allez vous habituer. Le frère Manix Nangea a chanté une très belle chanson. D'ailleurs, je vais devoir vous inviter à suivre un extrait avant que nous ne puissions continuer. Suivez cet extrait et je vous retrouve dans un instant. Zambe nangai avec assurance, plein de conviction. Boyo zali Yahweh, Osa Zambe nangai. Zambe motema nangai Yahweh, Osa Zambe nangai. Ata epa nangai lisunga bateza te motema nangai na kimiae. Na yebi yo reserva misi na katia mai. Pameme nangai lisungi ya bon zambe. Ata soki yanga papa zate kasi na yebi Yesu yozali. Ata soki mama nanga zate
kasi na yebi Yesu yozali atabande konanga baza musika e na yebi Yesu yozapembeni nzambe nanga ya bomwana zamba bolenge kino na bonkoko kai sena yo dawe awe zamba kotike la bana e héritage yo alléluia. Yesu yosa marchandise ya kote kaye papa pharisien kasi bonanga toza nzambe nzambe ya solo mokonzi ya libela epana yo nde somo elobami na bwanya na yo mokili etongami elilingi na yo nakelami moto o nzambe ayebi epai na yo Asi yae, bomo yi, ezali Ya ya ye Na ye di, epa ina yo Asi yae, bomo yi, ezali Ya ya, ya ngona zala kalo lendo po Na ye di, epa ina yo Zambalo Asi yae, bomo yi, ezali Ya ya Tika kola mwa masanga pona nini ye Epa na yo Zamba ngolu Masi ya ye Momo ye zari Na ye bi Epa na yo ya ya ye Na ye bi Epa na yo Na landa kayo nati Na ya ya ye Na kama bolenge nati Na ya ye Yango na kotika yesu te Na la pinda ye Na tika yo pona nini Merci beaucoup à la réalisation, celle de Sylvain Mutombo, Steve Capia, Nixon Bukassa, ainsi que Arsène Mwanza. Merci également à la caméra, celle de Rolly Chibanda, ainsi que la réalisation de Rolly Chibanda. Merci beaucoup au pasteur Dieudonné Lumbala, le pasteur de la NCD Piscine de Bethesda. Main droite sur le cœur, je vous salue. Voilà, nous sommes de retour. Sur ce plateau, frère Manix, une très belle chanson, Yahweh. Voilà. Pourquoi Yahweh? Bon, Yahweh c'est le créateur. Mm-hmm. Vous voyez? Mm-hmm. Yahweh c'est le Dieu souverain. Mm-hmm. C'est ça même son nom, Yahweh. Mm-hmm. C'est lui qui a tout créé. Mm-hmm. Voilà. On a choisi ce titre parce qu'il est le seul Dieu. On a voulu premièrement le lever d'abord. Mm-hmm. Parce que vous savez, dans ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui se disent être Dieu, mm-hmm. être Dieu, qui veulent ces hommages-là. Alors nous, nous sommes dit, on ne peut pas donner la gloire de Dieu à un humain. Voilà. C'est pourquoi on a choisi ces titres, juste pour vouloir élever son nom. Et vous l'élevez déjà? Déjà, déjà. Et on l'élèvera encore. On l'élèvera encore. Encore. Voilà, voilà ce qui est essentiel. On l'élève déjà et on l'élèvera encore. Ozanzambenanga. Pourquoi Ozanzambenanga? Vous quittez de Yahweh d'une manière très générale, c'est le créateur, c'est le rédempteur, c'est tout le sauveur, et vous venez Zambenanga. On dirait un peu d'orgueil là. Ah, ouais, ouais. Vraiment. Dans les choses de Dieu, mm-hmm. ça demande aussi ça. Mm-hmm. Mm, ça demande aussi ça. Mm-hmm. Quand tu sais tes. Comment? Tu t'appropries toi-même. Voilà. Tu te dis, non, tu n'es pas juste le Dieu d'Abraham. Mm-hmm. Tu n'es pas seulement le Dieu d'Isaac. Mm-hmm. Tu es aussi le mien. D'abord, en me voyant dans le péché, mm-hmm. tu as quitté le ciel. Mm-hmm. En quittant ce ciel-là, mm-hmm. tu n'es pas venu pour quelqu'un d'autre. Pour moi. Là. Pour moi, voilà. Pour moi, tu m'as créé. Alors, vous en avez dans la mort. Voilà, vous êtes allé un peu loin. Vous avez dit Ozaki Nzambe ya bakoko nangai, Ozaki Nzambe ya et puis vous. Donc tu crées aussi ta lignée. Ouais ouais. Dieu c'est un Dieu de génération. Wow, oui. La Bible dit il était le Dieu d'Abraham, mm-hmm. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mm-hmm. Dieu de mes ancêtres. Mm-hmm. Dieu de mes parents et aujourd'hui mon Dieu. Mm-hmm. Et quand je ne serai pas, le jour où je partirai, mm-hmm. il restera le Dieu de mes enfants.
Donc c'est, même, c'est juste pas pour dire d'enfant. Que... Non, pas encore. Non, c'est quelle juste... foi, vous avez la foi. Ah ouais. C'est juste pour dire voilà. qu'il continuera à être même quand je ne serai pas. Ouais, ouais. Un titre très, 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 très intéressant pour moi, personnellement. Okay. Vous dites quelque part, Oyakipo na Bayuda. C'est qui était venu pour les Bayuda? Jésus-Christ. Jésus est venu pour les Bayuda, les Juifs. Mm-hmm. Il n'était pas venu pour moi. Mm-hmm. J'ai l'habitude de dire ceci. Si Jésus était un Brazzavillois, mm-hmm. on allait un peu comprendre. Parce qu'on est des voisins. Mm-hmm. Hein? Vous voyez, quand vous avez un voisin chez vous, mm-hmm. c'est fort possible qu'il vous apporte une aide. Mm-hmm. Mais lui, il n'est même pas un Rwandais. C'est un pays très loin vraiment, ouais, ouais. de notre pays. Mm. Ah. Mais il m'a vu. Ayokelinga Mawa. Il s'est dit non, il faut la sauver. Vous êtes inspiré de quoi? Fallait gaboyer au commis ou bien au tangi Bible ou bien yo nzamba Isaac saba Rams ko komio au sang bon ils a force ya ko ya oyo kan lo banzambe trop ba tout sous balo barabi so bayembi de ka lo banzambe te yo boye ba ona isa jali lo ba eh tamo zo yo ka zo sa inspiration voilà tamo yo ka zo sa inspiration donc oui ba pe ko élever nzambe et surtout que on ne lève pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, on j'allais en venir d'ailleurs, comme vous abordez cet angle-là. Ouais, ouais. Tu le connais? Oui, oui. Ah, explique-vous. Bon, je le connais, il est mon Dieu. Oli dit que ce n'est pas encore suffisant. Bon, je ne sais pas trop. Bon, Nayemiye, parce qu'il est mon créateur d'abord. En regardant ce qu'il fait dans ma vie, ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie, mm-hmm. et surtout, il se laisse dévoiler chez moi. Il se laisse dévoiler. Dévoiler et il me fait apprendre à lui connaître encore davantage. Et ça, c'est très important encore. C'est très particulier aussi. Très particulier surtout. Vraiment, frère Manix, nous sommes en train de cheminer avec vous dans cette émission. Ok. Moutoumoussousou, ne crois pas. Ne crois pas que c'est vous. Oh. Okay. Voilà. Voilà, on peut acclamer, bien sûr, une partition qui fait du bien. On dirait mon Mongoneti. Neti à Toms, bon. Chanter aussi à Toms. Bon, lui là c'est mon papa, c'est un grand. Dire déjà que je chante comme lui, moi ça me bénit. Ça te bénit. Ça bénit également nos très aimables téléspectateurs et auditeurs. Ouais, ouais. Ça vous fait quoi de chanter aujourd'hui ce chant? Quand vous restez un jour à la maison, peut-être à la télé, vous voyez votre chant passer. Vous vous dites quoi? Ça me fait du bien. Ça me donne encore le courage de continuer et surtout quand on reçoit le message, les encouragements des gens, ça nous pousse encore à fond de travailler encore plus davantage. Voilà, c'est la passion, hein? C'est ma passion à moi. J'ai toujours rêvé, rêvé de chanter et surtout chanter pour Dieu. Voilà quoi. Voilà, dans ce titre, un titre que vous avez tourné à certains endroits différents, on vous voit confortablement assis. C'est ainsi que quelqu'un m'a dit, mais frère Azaka Orgueye. Oh! Ah bon?
Imaginez yo za lelo le qui a président de la République. Au Bangeloni. Vous êtes tellement à l'aise, vous êtes à l'aise. Tellement nzamba ngwa komisa wa intouchable. Azana yo elongo. Il t'a promis que il ne te laissera jamais. Jamais au grand jamais. Tu auras peur de quoi? Tu es à l'aise, tu chantes en ayant cette joie là divine en toi et cette assurance là. Et voilà. Voilà. Donc on a assuré pas parce que Zamo na président. Non, non, non. Pas parce que Zamo na président. Moi na président de Koutou. Na botama na zo chance te aux Zamo na président. Moi na muto mbongo. Moi na mo konsimo ko mes chances na ngara. Na ebani na mokili. Ah ça c'est très fort. C'est très fort, très chers auditeurs et téléspectateurs, vous qui nous suivez encore bien sûr. Fond musical se poursuit sans bien sûr sans embâche. Et nous recevons sur ce plateau le frère Manix Nangea, un frère bien, un frère qui chante bien, un frère qui chante avec des charmes, un frère qui chante également profondeur. Nandembo le but solo mon solo à Yuda. Yuda. Juda. Juda. Isani. Omoni Yuda, Yuda zalaka lokwa kessier ya groupe. Kessier. Mutazo garder mbongo. Omena makama mbongo batubile babenda nak. Batubile l'argent là, mbongo wana za un peu mystique. Siko omoni ba farisé ba bandolo luka Yesu. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Moi, imaginez que vous avez un peu de temps, vous avez une crise. Si vous avez un peu de temps, vous avez une marchandise. Normalement, il y a une marchandise. Bien sûr. Il y a une marchandise qui est un peu. Si vous avez un peu de marchandise, vous avez une marchandise. Vous avez trahir peu. Comment on a le roi marchandise pour bah se retrouver. Ce qui est un peu comme ça, marchandise pour nous faire marchandise. Ce qui est un peu comme ça, c'est plus loin, il y a des prophètes envoyés de Dieu. Il y a des choses. Et or, Moussika Lissousou, n'a habité ce qui est déjà un lion à Botataba. Et ça l'a raté. Pour nous, ça l'a miracle. Donc, à Zanzambé, pour nous, à Zanzambé. Mais ce qui est des carottes à Kanisa qui était, et ce qui est aux marchandises, il y a côté Kaye Papa pharisien, Kassi Ponanga, aux Anenzambé. Ce qui est sous Bazolo Baye, soit un prophète. Kasi ponangai oza lenza basusu balobi ke azamwa na Joseph mais moi je sais oza lenza zambe a solo kunzi ya libela e pana yonde somo elobami na bonya na yo mokile tongani elilingi na yo na kela mi moto yonde zambe iye na yebi e pana yo. Merci, aïe, bon moi, Isali. Yaya, voilà. Voilà, cette chanson fait énormément plaisir à Arsène Mwanza. Mwanza Arsène. Je suis le père de tous les Mwanza, bien sûr. Mwanza Arsène et Ali Bosso. Bien sûr, voilà. Vous voyez, comment vous trouvez. Vous vous trouvez. Comment vous sentez-vous après avoir composé ce chant? Qu'est-ce que vous dites? Bon, je sais pas trop, mais je suis juste fier de moi-même. Pourquoi? Parce que je sais que les autres peut-être n'en ont pas. J'ai Jésus-Christ. Voilà. Et surtout que Dieu continue à me faire grâce. Voilà, c'est ce qui me fait plus du bien. La chanson est composée pas seulement pour vous. J'espère que ces paroles-là, certes, c'est vous qui les avez écrites, c'est vous qui les avez chantées.
Est-ce que notre auditeur qui nous suit, notre téléspectateur qui nous suit, peut aussi les emprunter à Mbappé en gros, à s'approprier en gros, et à la paix à ouais, ouais. Et comment? Ah, ça l'a moi, moi, je suis un peu plus grand. 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 Je suis un peu. Vous dites à nos téléspectateurs et auditeurs qu'ils peuvent s'approprier ces chants et chanter. Ouais, ouais. Voilà, nous sommes quasi à la fin de cette émission. Alors, quelle question je ne vous ai pas posée à laquelle vous voudriez bien répondre? C'est quand la sortie officielle de l'album? Voilà. Voilà, la sortie okay. officielle de l'album, c'est déjà pour le 19 novembre. Mm-hmm. Le 19 novembre, mm-hmm. ce sera à la salle Emmanuel. Mm-hmm. Vous voyez l'avenue Likasi, mm-hmm. juste après l'avenue Kamagnola, mm-hmm. Quartier Salama, je ne sais pas trop, mm-hmm. mais juste sur l'avenue là. Mm-hmm. C'est là que le concert aura lieu. Mm-hmm. Moi, je vous invite déjà le 19 novembre. Venez nombreux ensemble. Tout pour ma belle-enzam. Tout est bissé. Ozanzam benanga. Tout est bissé. Isaac Nyemba loba. Ozanzam benanga. Ozanzam benanga. Oli Chibanda loba. Ozanzam benanga. Papa Gelvisa loba. Ozanzam benanga. Bananzam betuwa loba. Ozanzam benanga. Et surtout encore, les amoureux de Jésus. Moi là, je suis amoureux de Jésus. Tu es amoureux de Jésus. Bisous tout bas amoureux de Jésus. Boya et Belle ensemble. Seigneur, je t'aime, je suis amoureux de toi et je ne veux que toi. Je vous invite encore. Voilà, tu vas regarder dans cette caméra et à partir de là, tu vas donner un message particulier, le résumé de ce chant. Ozanzambe, Nanga Yahweh, c'est le titre. Et tu vas dire au peuple de Dieu ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent tirer de ce chant. Voilà, voilà. Que Dieu vous bénisse d'abord. Moi je vous aime, je vous conseillerais de consommer encore plus ces chants parce que ces chants vous apportent la bénédiction. Vous savez, dans cette chanson, il y a quelque part que je dis, loin de toi il n'y a pas la vie. Yahweh, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu auras la vie. Tu auras la vie. Et surtout, bon moyo yo rozo. Et vous allez moi tant mon reboité. Et ça, bon moyo libella. Imagine-toi, au fond, à Pembe, dans Zambé, éternellement. Au Rogno, quoi, Maté. Kolela na oué, banara, aux alara, ya SM. Au moins, nous sommes tous les qui. A quoi, ma rare, oulela. Yamba, yesu, na vie, na yo. Yamba, yesu, nima, yesu. Salan Zambé, wana, yawe, wana, a quoi, man Zambé, na yo. Au repé, ça a raison. Rendez-vous les 19. Voilà, au copé, ça y a raison. Bien sûr, nous sommes à la fin de ce chant. Mais nous allons finir par un a cappella. Hein, un a cappella avec les frères Manix. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Roli Chibanda pour la réalisation. Merci également à la supervision de Emmanuel Kabamba ainsi que la coordination de Jean-Marie Kanda. Voilà, nous nous retrouvons à la prochaine, mais nous finissons par cet a cappella. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, amoureux de Jésus. Il a séduit mon cœur. Amoureux, il a gagné ma vie. Amoureux de Jésus. Il a séduit mon âme. Amoureux, il a gagné ma vie. Amoureux de Jésus. Alanguissi mon thème, mwana mama. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Bayana vinangai, batikande, bapota, bileli, atongo midi pe pourquoi. Kasiye souye, opikoli misisaya bileli, oloni esem, namote manangai, nae tutu naoya bolimongaye, nae koye kama, okite mosika na yona kosamba pamba. Omelisi nga nini, ngaye yo, ona koma kolangwa kayonza mba omoy, na kweye. Voilà. Okay. Voilà, voilà, merci beaucoup pour toi. Merci d'être venu. Merci.